Bonjour ou bonsoir, et bienvenue dans cet épisode 14 sur Planète Centauri. La dernière fois, je me suis rendu compte que ça c'était juste ce truc-là, la table avec l'améthyste qui tourne autour, c'était juste une table de transformation, je peux me transformer en mob, comme ceci. Hop, voilà, je saute, je suis content. Je suis allé en sous-sol pour aller chercher encore plus d'améthyste, du coup, vu qu'il m'en fallait 10 pour faire ce qu'il fallait que je fasse initialement. Vous avez compris. Et donc j'ai créé cette gemme de dame. Donc apparemment, il suffit que je la lance pour capturer des âmes, mais ça ne marche pas. Trap the souls of monsters. Attendez. Trap the souls of monsters. Attends, ça veut pas dire que je dois les tuer quand même. Parce que maintenant j'ai compris souls. Parce que les âmes, c'est ce que je récolte quand ils meurent. N'est-ce pas? Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça et on va aller vérifier ça tout de suite. On va dans la mine de l'enfer. Vous inquiétez pas, ça viendra la mine totalement verticale et sans perte de temps. Parce que là, c'est quand même... j'ai l'impression que c'est mon hobby, la perte de temps. Ça enregistre bien, oui, parfait. Parfait, parfait. Quand même, 10% du CPU, ça me prend sur mon PC d'enregistrer ce jeu. Très bien. Très bien, très bien. Bon, ça non, hein, clairement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais poser la gemme au sol. Puis dans un second temps, je vais tuer la créature. J'espère que ça ira. Il me semblait avoir... Oh, 600. Je l'avais pas vu celui-là. Tac... Grenade à banana bombe. Ça, c'est une référence à Worms. Évidemment, le jeu Worms. Où tu as une banane que tu peux envoyer et elle explose de partout. C'est très rigolo. Et quoi? Il y avait une soul gem directement ici, quoi. Cet abus. Cet abus. Ok. Donc on va prendre ça aussi. Par contre, j'aurais peut-être pas dû le... l'envoyer chier, ça. Ça, c'est Power Potion, voilà. On va prendre ça, pour, histoire de pas crever. Ah, et la banane. Donc la banane, c'est un explosif, en référence à ce que je vous ai dit, évidemment. Donc ici, il y a beaucoup... J'allais dire beaucoup trop de lumière, mais c'est plutôt le contraire. Il n'y a pas assez de lumière. Tu peux les placer, merci. Voilà. Mais je suis plus sûr de ce... Non, c'était pas là. Hein. Non, c'était là, ok. Donc, attendez, on va faire le test. Viens ici, toi. Mais c'est bidon. Je ne comprends pas là. Dites-moi comment ça marche, s'il vous plaît. Attendez, je vais relire attentivement. Les gemmes d'âme, que tu reconnais très facilement à leur couleur violette, sont des gemmes rares permettant de capturer des. Par contre, il y a des monstres qui arrivent. Tes invoqués auront un coup. Attention, il faudra. Donc ils me disent attention de ne pas capturer des monstres trop puissants. Ça ne veut pas dire attention, ça ne marchera pas. Ok.
Go! Récupère son âme. Oh, mais sérieux. Bon, et une gelée. Ça accepte pas. Sérieusement, quoi. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne terminerai jamais cet épisode sans que je n'ai eu compris, je crois. L'utilité de cette chose. Enfin, l'utilité, j'ai compris, mais comment m'en servir? C'est un petit peu... Je sais pas, c'est bizarre. C'est vraiment très étrange. Pourquoi ça ne marche pas? Oh, des flèches d'or. Incroyable, ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi ça marche pas. Attendez, on va récupérer quand même le fer qui est en haut. C'est important. Je crois. Hop, je suis en mode free, évidemment. Ça se reset à chaque fois que je ferme le jeu. Donc le joueur qui n'a pas compris qu'on pouvait mettre automatique ici, il va miner toute sa vie. Bon, une chauve-souris, est-ce que ça accepte une chauve-souris? Est-ce que toi tu peux? À un moment, j'ai juste envie d'un ami. Non. Ça m'énerve. Ah, attendez, lui là. Si je le tue. Attendez, pourquoi mon épée voulait plus venir? C'est super. Je ne comprends pas. Que même là, oh là, je sors de boule de feu qui est nul, quoi. Tout ce que je peux faire, c'est m'entraîner au ping-pong avec lui, quoi. Enfin, sur lui, du coup. Ah. Épée du gardien. Ouh, dommage coupe en 10. Bonus level 3. Lifestyle. Oh, intéressant. C'est de 15 à 23, ça fait moins mal que mon épée. Mais je peux. Lifestyle, ouais. Je peux voler la vie de celui que je tue. Ce qui est pas mal. Est-ce que je peux l'améliorer? Parfait, je ne peux pas. Génial. Génial, génial.
contre, on ne voit rien ici. Voilà. Ok, ça fait déjà 10 minutes et rien n'a avancé. C'est parfait. Mes vidéos préférées. Allez, on récupère ça. J'ai pas du tout fait de déco encore. Mais bon, c'est pas grave. J'ai ici. Tiens. What? Attendez, c'est une blague. Donc, Slime des cavernes. Slime des cavernes, très bien. Ok, je retiens. C'est un pourcentage comme... Ok. C'est un pourcentage. J'imagine. Donc, ce qu'on va faire... Ouais, c'est ça, je draine un petit peu de leur énergie à chaque fois que... Pas beaucoup, parce que là, je suis empoisonné, en fait. Donc, c'est un peu normal. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Ce blob me tue tout le temps. C'est incroyable. Eh ben. Aïe. Encore une potion. Par contre, j'ai mangé stamina, life génération, s'il vous plaît. Voilà. Bon, je me fais merci. Bon, si ça me rapporte que un point de vie tous les 100 000 ans, ça, non, ça ne va pas. Évidemment, je vais reprendre Venom. Allez, life génération, s'il vous plaît. Bien, donc de ce que je sais, c'est un peu merdique. C'est une... Non. Hors de question, je me barre. Donc mes pronostics étaient justes la dernière fois, hein. J'ai bien fait de ne pas être allé vers la droite. D'accord, donc on va jouer à celui qui spamme le plus, hein. Ça va être énorme. Attention. Bon, faut pas que je me fasse tuer aussi. Ah tiens, du silver. Aïe aïe aïe. Et donc voilà. Faut pas que je me fasse tuer. C'est un peu le truc gênant du processus. Si je me fais tuer, ça aura servi un petit peu à rien. Faudrait que je puisse t'attirer quelque part, mon petit ami. Par contre, toi, arrête. Mais en soi, il a vraiment pas beaucoup de vie, donc... Regardez. Eh ben putain, en fait, c'est que je n'arrive pas du tout, des fois, à switcher avec l'épée. C'est bloqué sur le... sur l'arc. C'est incompréhensible. Ouais, ben, je suis pas désolé de t'avoir tué, mec, mais... Faut bien vivre, hein. Donc, ce qu'il faudrait que je fasse... C'est... J'ai une idée machiavélique si je peux trouver ce qu'il me faut comme bloc tout de suite maintenant, là. Voilà. Tac, tac, tac. Pff, ça pue la merde comme idée, mais... Et que genre je fasse ici
un trou de 2. Là. Voilà. Comme ça, je peux remonter. Et là, ça fait un genre de petit piège. Vous voyez ou pas? Hein? Ok. On va dire que vous voyez ce que je veux faire dans ma tête. C'est qu'en fait, ici, dès qu'il vient, il vient à partir de là. Hop! Il peut pas sauter là, je crois. Bon, par contre, s'il peut sauter là, c'est chiant. C'est chiant dans le sens où, en fait, je meurs. Mais... Aïe. Il m'a fait mal. Par contre, j'ai reçu un masque. Un masque de fantôme. J'en ai déjà un, mais celui-là est de couleur bleue. Donc voilà, ça a beaucoup changé ma vie, n'est-ce pas? Par contre, j'ai un masque d'aigle. Ouais, non, c'est trop moche. Le zombie, laisse tomber. J'ai beaucoup trop de trucs dans l'inventaire. Ouais. Faudrait que je puisse en coincer un. Venez ici. Peut-être qu'il y en aura un en bas cette fois-ci, je sais pas. Non. Toujours pas. Ah, là, il y en a un. Parfait. Il y en a deux. Ok. Et venez. Regardez comment ils sont cons comme des chaussures, quoi. Bon, ben, je peux le faire là, au pire. Ah, merde! T'étais venu! Ah, mais... Mais il est con, quoi. Allez! Attendez, j'ai une idée. J'ai une idée encore meilleure. Ok, d'accord. Ok. On active le piège. Ah, bah parfait! Merde. Par contre, si ça tombe comme ça à chaque fois, ça, ouais, ça va être chiant. On va faire ça. Voilà. Pokémon, attrapez-les tous. Je peux pas spammer, hein. Enfin je peux pas rester appuyé pour spammer. Non! J'ai fait une mauvaise erreur de manip. Ah! Ah parfait. Est-ce qu'il faudrait que je le blesse un peu? J'essaie de le blesser un peu. Ça suffit. C'est plus rapide comme ça. Cette vidéo va être très intéressante, je pense, et très ludique. Là, n'importe quel youtubeur qui se respecte aurait fait un cut, évidemment. Mais non, vous allez souffrir avec moi, désolé, mais c'est comme ça. Et encore que vous pouvez avancer dans le temps. Allez! J'y crois. Tu peux le faire. Mmh.
Sinon, ça va, vous? Moi, ça va bien. Ça va très bien. Beaucoup de temps, je passe beaucoup de temps sur ma ROM hack de Pokémon, mais je prends du plaisir. Actuellement, j'en suis à Doublonville. C'est Pokémon Crystal. Et ouais, ça va, ça se passe. J'ai beaucoup de détails à faire encore, et j'en suis qu'à Doublonville, donc bon, voilà. Et en dehors de ça, j'ai beaucoup d'autres trucs à faire que les dresseurs, que les Pokémon. Bon, le monstre, je pourrais pas meubler 150 ans. Je ne m'appelle pas Squeezie, donc s'il te plaît, rentre. Allez! Non mais tout à l'heure il est rentré. Comment il est rentré quoi? C'est juste que je lui ai mis plusieurs coups de machin dessus quoi. Oh là là. Peut-être que les développeurs ont calculé hein, le coût. C'est très énervant. Ça suffit. Alors là, je ne comprends pas pourquoi il ne veut pas. J'ai essayé encore 2 minutes et c'est bon. S'il n'a pas envie, il n'a pas envie. En plus, il fait un bruit harmonieux. On aime bien le bruit qu'il fait, ce mob. Merde. Bon, on va devoir le tuer. Hein. Ok, donc les gemmes, c'est un peu de la merde. Hein. Ça ne capture pas vraiment à tous les coups. Attaque de base 58. Il a même un hachage rien que pour lui quoi. Vous le voyez, je peux pas vous montrer la toute dernière ligne de sa description. On dirait un hachage personnalisé. Donc ça voudrait dire que ce monstre est unique au monde. Parfait. Donc allez, go! Quête terminée. À toi de jouer, go! Va combattre ce méchant. Ok, go! Jusqu'à la mort. Ah oui, d'accord. Ok. Mais écoutez, je vais explorer plus loin le donjon. Enfin, le donjon, la caverne. Donc par là, on sait que... Ah, attendez, viens ici, toi. Merde! Ah merde, il peut passer! Le con! Attends, pour l'instant, il ne passe pas. On va faire ça. Voilà, parfait. Bon, tu n'as pas voulu entrer dans la Pokéball. Tu meurs. Tu meurs, c'est tout. Ok, bon, bah, écoutez, on va aller sur la droite. J'espère que cette séance de capture vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour voir encore plus de let's play de Pokémon comme ça. C'est let's play Pokémon Centauri. Incroyable, n'est-ce pas? C'est fini ici, hein, tu me rassures? Attendez, il y a des Fantominus. Non, il veut pas. Ah oui, j'ai eu un Fantominus. Parfait. Bon, mais parfait. Allez, à l'attaque.
Il va juste mettre 100 ans à attaquer quelqu'un, quoi. Ça va être parfait. Ça va être parfait. C'est moi qui vous le dis. Casse-toi. Comme quoi, c'est peut-être... Il y a juste une chance que ça réussisse. Hein. Bon, peut-être que le truc que je visais était beaucoup trop fort. Je ne sais pas. Peut-être un Pokémon légendaire, je ne sais pas. Aucune idée. Ah, l'ambiance de mort qu'il y a ici, c'est fou. Oh, j'aurais dû t'attraper, toi. Bon, mon Pokémon est où? Il est mort? Tu vas me dire qu'il est mort? Calmez-vous, quand même. Encore combien de temps avant qu'il arrive? KO. Ben ouais, je sais bien. Ouais. Ah ouais, longtemps. Ah, c'est pas... Je peux pas aller à un centre Pokémon. Ah, peut-être que le cristal vert en haut fait office de centre Pokémon, je sais pas. Il est allé où comme ça? Casse-toi. Ah, ma vie, elle est pas au beau fixe. Hein. Heureusement, si je n'avais pas eu tous mes buffs de vie avec grâce à la nourriture que j'ai mangée pour la première fois, je serais peut-être mort en fait. J'en suis où? Ok. Ouais, il reste encore pas mal d'étages vers le bas. Écoutez, dans cet épisode, on va commencer l'ascension verticale. Oh, attendez, j'ai pas vu ça. Ok. Donc ça, c'est un coffre mimique. La dernière fois, j'ai l'impression qu'il s'était pas activé. Hein. Injustice, du coup. Hein, évidemment. La dernière fois, j'étais pépère. Le problème avec l'ascension verticale, là, c'est que... Je peux rencontrer un de ces temples. Et lorsqu'il y a un de ces temples, on peut pas creuser dedans directement. Donc, ce qu'on va faire... C'est tout simplement espérer qu'il n'y en ait pas. Ou regarder d'avance, il n'y en a pas là, il n'y en a pas là. Il n'y en a pas là, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Donc on va commencer par enlever cette table, de cet établi qui nous a beaucoup servi, n'est-ce pas? Et quelque part, est-ce que je m'embête à faire de 3 de largeur quand je peux en faire que 2? J'ai envie de dire non, mais... Le doute persiste. Donc 150, il y a quoi? Du curry, super. Des potions de puissance. Des pêches, des machins, du bambou. On est content. Et on va le prendre quand même. Et on va aller deux par deux comme ça. Comme ça ira plus vite. Le problème avec cette méthode, c'est qu'on va rencontrer des mobs d'une difficulté supérieure très rapidement. Sans qu'il n'y ait quoi que ce soit à faire contre ça. Je ne prends pas le cuivre parce que, à part pour le faire du bronze, ça sert à rien pour le moment. Alors on arrive sur la galerie que j'avais déjà faite, voilà. Et on creuse.
découvrira peut-être... J'allais dire, on découvrira peut-être un temple. Évidemment. Qu'est-ce que je trouve pas tout de suite ? Un temple. Donc il va falloir l'esquiver, évidemment. En tout cas, ça ira toujours plus vite que la méthode que j'utilisais d'habitude. C'est-à-dire de faire des... saleté de mouche. Moustique, plutôt. Au lieu de faire des serpentins, faire un chemin tout droit. Donc là, ce sera pas tout droit, j'aurais me décalé un petit peu sur la droite. Mais bon, hein. Est-ce que c'est grave en soi ? Je ne sais pas. Disons non. Encore un train, vous l'entendez. Alors, qu'est-ce que ça va être cette fois ? Donc, Pokémon Go. Ouais, on va voir. Extermination. Okay, je sais bien faire, ça. C'est pas un problème. Allez, vas-y, Pikachu ! Ok, Pikachu est mort. On va mettre le fantôme. J'aurais jamais dû capturer le fantôme. Il va jamais rien tuer, quoi. Yes! Je lui ai fait tuer quelque chose, si c'est pas incroyable. Ok, dedans il y a quoi? Un truc que j'utiliserai pas. Oh, c'est orange, donc ça a l'air pas mal, mais... J'ai déjà beaucoup mieux, quand même. Hein. J'aurais été content, à l'époque. À l'époque... Donc ça, s'il est rouge, grenade... ça, on s'en fout. Pff, tout le merdier que j'ai, c'est incroyable. Ok, on va prendre ça. Et on creuse. Et on creuse encore. Donc bien sûr, je ne vais pas éviter le cuivre, hein, tant qu'il est là. Par contre, le fer, je vais le prendre. Pourquoi, je ne sais pas. Mais je vais le prendre quand même. Au cas où. Je n'ai pas encore fait le deuil du fer. Donc laissez-moi le prendre, s'il vous plaît. Le cuivre, c'est bon. Et l'étain aussi. Ah, je ne pensais pas à ça. Je ne pensais pas à ce genre de problème. Bon. En attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais remonter. Parce que là, ça va être la fin de l'épisode. Hop. Hop. Hop là. Ah, quand même, ça va être chiant à remonter. Hein. Ça va pas non plus être la montagne du fun. Ok. Sur ce, j'espère que cet épisode... je sais même plus lequel c'est. Épisode 13 ? Ou 12 ? Ou 14 ? Je ne sais plus. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.